un peu bizarre. Ouais, bah c'est un match de fin de saison hein, aussi, hein, faut être honnête, sans forcément beaucoup de pression. À l'aller, on avait déjà fait 3 partout dans un match assez incroyable, avec un match très ouvert. Bon, on avait fini quand même à 9 contre 11, mais on avait su garder le résultat et le match nul. Bon, moi, je trouve qu'il y a eu, il y a eu quand même 2 mi-temps distinctes de notre côté. Une première mi-temps où on a été un peu des sénateurs. Le ballon, voilà, on jouait tranquillement, sans rythme. Et comme l'adversaire ne mettait pas forcément beaucoup de rythme, on est rentré dans ce faux rythme. Un état d'esprit pas du tout pas bon. Pas dans ce qui faisait office un petit peu voilà, de force de notre côté. Et par contre, une deuxième mi-temps bien plus consistante à tous les niveaux. Et c'est comme ça qu'on a réussi à renverser le match. Est-ce que vous avez dit à la mi-temps à vos joueurs, c'est vrai qu'on avait un visage complètement différent au retour des vestiaires, avec rigueur, notamment défensivement. Ouais, après, vous savez, il faut aussi trouver des leviers de motivation malgré tout. Et les leviers sont très simples. Pour nous, l'objectif en venant ici, c'était de rentrer dans le top 10, de marquer, d'atteindre la barre des 50 points. Donc c'est chose faite. Il y a un petit goût amer parce qu'à la fin, finalement, cette équipe niortaise a joué avec ses atouts, avec beaucoup de, malgré tout, de valeur. Ils n'ont rien lâché et ils ont obtenu ce match nul à la fin. Donc bravo à eux d'avoir eu cette mentalité-là jusqu'à la fin. Nous, ben, voilà, quand on fait rentrer un petit peu de jeunesse aussi pour voir où ça en est, et on fait des erreurs aujourd'hui qui nous coûtent cher. C'est bon ? Ouais. Parfait. Bon retour. Merci.